vous souhaite à tous une agréable semaine. Faut garder le sourire tant qu'il y a la santé, tout va bien. Faut garder le sourire tant qu'il y a la famille, tout va bien. Coucou, alors je vais vous montrer une de mes passions. Allez, je me lance. J'en ai beaucoup de passions, hein, mais j'en ai une que j'adore particulièrement, c'est la peinture. Alors je vais vous montrer tout ce que j'ai fait. Ça va vous saouler, hein, vous allez zapper, mais c'est pas grave. Voilà, ceci, sur une feuille cartonnée. Hein. Enfin, une feuille, un canson. Voilà, c'était un essai pour la profondeur des marguerites. Alors, ça, c'était pour offrir, mais je l'ai jamais fait. Je l'ai jamais fini. Bon, bref, c'est pas terrible, ça. Ça, c'est quand j'ai des restes de peinture. Quand j'ai des restes de peinture, je fais une peinture et hop, après, je fais de l'abstrait. J'utilise des matières, plastiques, éponges, un peu tout. Voilà, il y en a qui sont moches. Hein. Mais je vous montre tout, allez. Alors ça, c'est une horreur. Ça, je devais avoir une période un peu perturbée, je crois. J'en ai plein d'autres que j'ai pu, que j'ai donné, que j'ai laissé, voilà. Alors là, on arrive dans la période Van Gogh. Voilà, j'adore. Ça, c'est la période de fleurs. Moi, je fais beaucoup de fleurs. Voilà. Les tableaux, je ne pourrais pas vous les montrer. C'est moche, hein. Alors ça, faut savoir que c'est une histoire de horrible. Et elle va tout à fait avec. Vraiment tout à fait avec. Je me suis retrouvée toute seule. Mon copain m'a laissée toute seule dans un champ. Et enfin non, enfin, il m'a laissée parce qu'il y avait un problème. Enfin bref. Et ce que je comprends, hein. Mais moi, je me suis retrouvée toute seule et voilà ce que j'ai fait. C'est horrible, mais horrible. Parce que moi, je suis plus comme ça. Voyez, voilà. Je vous montre. Je n'ai jamais montré cela. Voilà. Ça, c'était un essai, un effet de sous-bois. Bon, bah, c'est un essai, hein. Voilà. Ma période Van Gogh. Ouais, toutes les couleurs. Voilà. Après, nous avons... Alors, après, nous avons les grosses toiles. Alors, je sais pas, hein, je vais regarder parce que ça fait un moment que je n'ai pas ouvert. Voilà. Alors, ça, j'aime beaucoup. C'est une invention totale, ça n'existe pas. C'est de l'abstrait, hein. Voilà. J'aime beaucoup le nénuphar. Ensuite, ça, c'est... En fait, c'est pour Macron. Je vais le dessiner, destiner à Macron. Des points d'interrogation, parce que en fait, j'avais envie de faire des points d'interrogation, je savais pas pourquoi. J'avais besoin de faire des points d'interrogation. Eh bien, regardez, voilà. Le tableau, il va tout à fait pour Macron, pour le confinement. Moi, je vais l'appeler Covid. Covid-19 merdique. Voilà. J'avais envie de faire de l'abstrait. Ça, c'est n'importe quoi. Je l'ai complètement saccagé, c'était un bouquet de fleurs, enfin bref, voilà. Ça, c'était des essais avec des couleurs. Là. Essai aussi, moche, il est moche, mais c'était des essais. Celui-là, moi, je l'aime bien. Celui-là, je l'aime bien, je sais pas pourquoi, mais je l'aime bien. Parce que c'est vert, d'ailleurs, il irait bien chez moi. C'est normal, c'est chez moi. N'importe quoi. Après, celui-là aussi j'aime bien. Mais tout ça, je les ai fait dans un atelier. Hein. Oui, je les ai fait en atelier. Ces grands formats-là, je les ai fait en atelier. D'ailleurs, tout le monde disait, ouais, mais Sybille, pourquoi tu fais ça? On t'a pas demandé de faire ça. Je dis oui, mais parce que j'ai envie. Mais ouais, mais c'est pas ce qu'il faut faire. Ah bah tant pis. Ah, mais bon, allez, on laisse Sybille faire ce qu'elle veut. Voilà. Moi, je trouve que ça fait un peu glacé, rose glacé. Dites-moi celui que vous préférez. Moi, j'adore celui-là. En fait, j'ai voulu... je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un personnage.
Je sais pas si vous voyez ça, mais il y a un personnage. J'ai fait la bêtise de remettre du noir. Voilà. Mais je l'aime beaucoup celui-là, il est trop rigolo. Il est plein de couleurs et il me représente bien. Après, c'est du n'importe quoi. Voilà. Alors ça, c'était... Ça aussi, je l'ai saccagé. Ah, oh, je suis dégoûtée, je l'ai saccagé parce qu'à la base, il était joli. Je l'ai saccagé là avec la couleur. Ça, c'était des restes de peinture. J'aime pas jeter ma peinture quand elle est sèche. Regardez, c'est horrible ça. Quoi qu'on dirait du papier peint. Ça, c'est n'importe quoi. Mais c'est des essais, hein. Ça aussi, c'est un essai. Ça fait très naïf. Ça fait longtemps, mon Dieu. Regardez. Voilà, voilà. Ça fait trop longtemps. Ça, c'est de l'abstrait à fond. Ah, faut voir ce que vous voulez, quoi. Ah, je croyais que je l'avais pu. Oh là là, je suis trop contente, je croyais que je l'avais pu. Celui-là. Et celui-là, je croyais que je l'avais pu du tout. Celui-là, je l'adore. Celui-là, on dirait vraiment un papier peint. Franchement, celui-là, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Bon, j'aimerais bien le mettre là, tiens. Faudrait que je pense à les mettre. Il est trop beau, celui-là. Bien sûr, on est dans la période des livres. Alors ça, c'était des... Mais j'aime bien aussi ça. C'est n'importe quoi. Attendez, voilà. Celui-là. Ouais, je sais, c'est n'importe quoi. Ça, c'était pour un essai, pour une fleur. Voilà, c'était pour la profondeur de cette fleur. Et après, je me suis dit, je vais faire ça et c'était horrible, quoi. C'est horrible. C'est pas beau, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Ça, bah, c'est n'importe quoi, c'est des essais. Ça, c'est n'importe quoi. Ah ! Ça, c'est... Alors, je l'ai. Malheureusement, je le récupérerai jamais. Il est à l'atelier. J'ai une photo en tout cas, je suis en train de le peindre. Alors, ça n'a rien à voir parce que ça, c'était juste une ébauche. C'est l'Îlet du Gosier. Mais là, ça n'a strictement rien à voir. Le travail n'est pas du tout le même. Bref. Ça, c'est ma période bleue. Vous savez, on a des périodes dans les bains de peinture. Ça, c'est de l'abstrait à 100 000%. Ça me fait du bien, là. Ah bah tiens, vous allez voir quelque chose. Voilà, ça, c'était la même période. Ouais, et il est saccagé, parce que, voilà. Il est saccagé. Oh, bah celui-là, on lui dit adieu. Et ça, c'était un essai avant de faire le grand que je vous ai dit avec les points d'interrogation. Et les plus travaillés, je veux dire les plus vraiment travaillés, ils sont en toile et je ne peux pas les prendre parce qu'ils sont en haut et je n'ai pas le droit de, je ne peux pas aller en hauteur. Donc je ne sais même pas quand est-ce que je les enlèverai. Et ça, c'est ma toile. Voilà. C'est ma... Bah ouais, hein, j'ai une palette de peintre. Voilà. Voilà, je ne sais pas si ça vous plaît. Je ne sais pas. Dites-moi lequel vous préférez. En premier, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dites-moi. Voilà, super. Ben, voilà, j'ai une toile. Je savais même pas que j'avais une toile. Vous voyez, les toiles, elles sont épaisses comme ça. Voilà, je savais même pas que j'avais une toile pour peindre. Voilà, alors matériel, je pense que j'en avais rien à faire, mais j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais il faut que j'en rachète parce que la peinture garde pas trop. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, c'est ma passion. J'adore faire de la peinture. C'est vraiment... Et je vais m'y remettre parce que j'en ai besoin avec ce période anxiogène et tout ça. Je vais me remettre à faire de la peinture. Voilà. Je sais pas ce que je vais faire. Si j'en avais un que j'ai fait dernièrement, oui. Ça, c'est moi tout craché. Je l'ai rangé. Je peux le... J'ai dû ranger. Parce que j'en ai d'autres, hein, j'ai pas que ça. Hein, j'ai tout un tas comme ça de toiles, mais cette fois-ci, ils sont encadrés. Et j'ai un tableau qui est japonisant. Tout le monde le voulait. J'ai un tableau on m'a offert beaucoup d'argent pour l'avoir. J'ai dit, mais non, je m'en fous. Enfin, beaucoup, 1000 euros. C'est pas beaucoup. Mais je dis 1000 euros, mais c'est pas énorme, quoi. Mais le truc, c'est que j'ai pas voulu. Voilà. Il devait partir en Suisse et j'ai pas voulu. Je garde. Parce que moi, ce que je fais, je le garde. Je veux pas le donner. Ou alors, je le donne. J'en ai donné un une fois
à ma factrice. Elle était trop contente. Et je l'ai retrouvée en photo. Si j'arrive à retrouver la photo, je le mettrai. Alors là, par contre, dans mon ancien appartement, quand j'étais propriétaire, il y avait plein de tableaux. C'était que ça. Voilà. Il faut savoir qu'un tableau, je le fais très rapidement. C'est ça le problème. C'est, j'aimerais bien mettre 10 jours ou 15 jours. Et moi, comme je travaille avec l'acrylique, et ben, c'est très rapide. Sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous dis I love you, je l'ai médité, te quiero, te amo.